savez, de l'Arabie, on amenait l'encens, la myrrhe, et les pierres précieuses, les aromates, et vers la Syrie. On vendait ça et on achetait autre chose, on a des tissus, des fruits séchés, et on rentrait vers... Les bosses, il y a une différence. Parce que là, il y tenait. Voilà. Bien sûr, là-haut, c'est mieux conservé. On va monter directement l'escalier. Effectivement, quand elles ont, là, quand elles ont restauré, elles avaient, même en bas, il y en a. Ils ont fait du ciment. Mais, non, il y a quelqu'un qui passait ici en 711. 711, bien sûr, c'est écrit la date en Égypte 91. Mais en 711, il y avait quelqu'un qui passait et il a écrit ça. Donc, de cette écriture, on sait que 711, c'était déjà construit. C'est pour ça qu'on dit que les constructions oumayyades, souvent, c'est à la fin du 7e, au début du 8e, ou en général, c'est toujours au début du 8e siècle. C'est-à-dire, à partir de 700, ils ont construit pas mal de choses. Le dôme de rocher à Jérusalem, c'était un peu avant. Oui. C'est pour ça que, quand il y avait du marbre, ils faisaient du ciment avec le marbre. Et beaucoup de statues, voilà, se trouvaient dans la carcasse. On y va. Ça, c'est une influence des Antilles. Et tout à l'heure, on a vu une influence perse. Voilà. Regardez que le monokinis était connu. Il y a une dame qui prend son bain dans une vase comme ça. On fait dire que c'était une Et regardez à côté des Perses, les quatre. Et comme il est assis sur le test, il y avait le roi de l'air, le nom du roi de l'air. Sont impressionnantes, on a déjà une porte comme ça. Voilà, regardez la plaque qui est à droite. Vous voyez comment c'est, il y a Amman et Jérusalem de l'autre côté. Et la mer morte, à l'époque, quand ils ont mis la plaque, c'était 390. Est-ce que vous voulez descendre? Oui.
mes chevilles, on ne peut pas de mes chevilles. Non, on ne peut pas. L'acropole de la ville. Donc la ville, ce n'était pas seulement ici, mais aussi elle était un peu à côté de l'eau, qu'on appelait la ville basse. Là, on est juste en face de les colonnes que vous voyez, un temple, il s'appelle le temple d'Hercule, et on a trouvé que ce temple, il était construit, le temple, vous connaissez Hercule, avant Attila Ier, il a construit son palais ici. Mais là, monsieur, dame, par là. Par là. Thank you.
Aya, comme on a dit. Et ça, c'est le plus grand théâtre de Jordanie, le plus grand théâtre qu'on a trouvé en Jordanie de l'époque romaine. Donc, elle prend 6000 spectateurs facilement. Quand je dis 6000, c'est-à-dire chacun sa place. Hein? Mais c'est utilisé quelquefois. Il y avait une fois trois groupes de musique jordanienne et le ticket, ce n'était pas cher. Il y avait 12 000 personnes à l'intérieur. Mais, bien, je suis venu, on ne pouvait pas entrer. Moi, j'étais jusqu'à la force de la place. Mais tout ça, c'était plein. L'orchestre était plein. Avec la Jordanie, donc ils étaient jordaniens déjà, et quand ils sont venus ici, ils ont la nationalité jordanienne, mais ils étaient mis au début dans des camps de réfugiés, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont, quand ils ont quitté là-bas, ils ont laissé leur terre, leur maison, leur quelque chose.
qui sont connus, tout ça, et les pièces de théâtre importantes, c'est dans les théâtres. Et là, c'est bien. Je vais prendre la rue principale. Le noyau de la ville qu'on a appelé Antioche au Prosaurus. Donc c'était comme ça dans le deuxième siècle avant Jésus-Christ, au début du deuxième. Après, il y avait Antioche IV, le grec Séleucide. Vous savez que l'empire grec était divisé en deux. Il y avait les Ptolémées dans le sud, les Séleucides dans le nord. Antioche IV, le Séleucide, il arrive dans cette région. Il a pris la région pour Ptolémée et il a obligé la population d'adorer Zeus Olympien. Donc c'était le début où les gens ils ont commencé à adorer Zeus Olympien. Donc Et c'est d'assaut, hein, ça ment pas. Quoi? Je sens rien. Mais c'est pas la clé qui bouge. Mais je la mets. Mais il faut rentrer. Mais je peux plus. Je peux plus sortir. Je peux plus non plus. Non mais regardez la clé. Non, moi la clé. Il n'y a aucun doute, sa clé, ça bouge. Ah oui, donc la colonne, la colonne bouge. Non, non, c'est le bras de levier qui joue sur la. Sur la... Elle est couchée, elle passe à 30 degrés. Moi d'ici. Non, là, la tour Eiffel, elle fait 1 mètre. Oui. Ici, c'est écrit Aynoun, voilà, ou Bet Aynoun. Et on sait que c'est une source qui se jette dans le Jourdain et c'est là qu'il baptisait Jean-Baptiste. Mais comme l'idée c'était une fois là-bas, une fois là, voilà, on n'a pas donné beaucoup d'importance, surtout que c'était une zone militaire. Jusqu'à quand il y avait les accords de paix, il y avait beaucoup de militaires qui sont partis de cette région. Ils ont dit qu'il y avait quand même des chapiteaux, il y avait des choses anciennes. Et c'est à partir de là que... Les Jordaniens ou le département d'antiquité jordanien, ils ont commencé à fouiller, c'est à partir de là. Maintenant, le côté palestinien, si vous voulez, voilà, juste en face de mon niveau, c'est la ville de Jéricho.
Jéricho avec ses palmiers. C'est connu. Même dans la Bible, elle parle aussi des palmiers de Jéricho. Il représente les 12 tribus d'Israël. Pourquoi les 12 pierres? Parce que les Israélites, comme on a dit après Moïse, ils ont traversé le Jordan. Et dans la Bible, ils disent que Josué, fils de Nun, il a arrêté l'eau du Jordan. Et les tribus sont. Voilà, donc, on appelait ça, c'est le pays de Canaan. Quand on lisait la Bible, c'est le pays de Canaan. Donc, ils sont passés par là. Et je vais vous raconter comment ils ont pris Jéricho. De toute façon, après, ça monte. Il y a la ville, s'il y a des gens qui ont visité la cité, c'est l'origine, c'est Néapolis. Après, c'est la ville de Jérusalem. Regardez la ville. Et on croyait que c'est le point le plus proche du ciel, Jérusalem. Donc, la carte n'est pas à l'échelle aujourd'hui, mais ça dépend de l'importance, si vous voulez, religieuse à l'époque. C'est pour ça que Jérusalem, elle est bien entourée par le mur d'enceinte, elle est bien détaillée. Ça a chuté le travail. Ah, oui. Moi, je fais partie de la fondation de l'ENIO. Je suis un professeur maintenant à l'école de musique de maths. Ben, je travaille 3 heures la semaine. Je fais 3 cours, si vous voulez, à l'école de musique. Alors, une pièce comme ça, ça nous a coûté 3 mois et demi de travail. On était 3 professeurs à travailler sur cette pièce. Ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai fait cette pièce-là avec mes collègues pour avoir l'exemple. Aux autres, ils sont des professionnels, des cités, des étudiants à nous. Mm-hmm. On est là pour ça, cher monsieur. Là, il est en train de raligner, découper dans la terre. Et après, il y aura le passage au four à 9 nids et ça permet un usage alimentaire. En fait, c'est 7 jours de travail, une pièce comme ça. Entre la formation de l'objet, la peinture et à raligner, ça fait 7 jours. Mais là, il travaille plus que 5 heures. Il travaille minimum 7 heures. Le dessin du partie de mosaïque que vous allez découvrir dans les le lion, il est là, il est à gauche. Sur la photo, il est à droite. On prend la pierre, puis on casse la pierre de cette façon-là. Et ça fait des tisselles. On passe avec les lignes. En tout cas, on prend la pierre, on choisit la meilleure coupe. Mm-hmm. Par exemple, ça c'est une coupe manuelle là, que vous avez là. La pierre sera posée. On va peut-être pas mettre une pierre. Ça peut aller là. Ah oui. On met la colle. Après, on prend une autre pierre. On le pose à côté. Mm. Et alors, avec la colle, ça va tenir. Oui. Ouais, ouais. Une fois, on finit. Le tour, donc les animaux, il faut délimiter d'abord les animaux et après travailler l'intérieur. Les motifs. Et après, on met un cadre. Après, on met un grillage. Alors, monsieur, dame, ça c'est l'opportunité de tout ce qu'on fait sur place. Vous voyez donc, une tâche comme ça est rendue combien de la valeur. Pour faciliter le nettoyage, pour une table comme ça, sinon je garde jusque-là. C'est de la pierre qui résiste. C'est garanti pour ça. Le vert clair, la limonite. Ça c'est du calcaire, mais c'est du calcaire très solide. Ouais. Hein? Le rose, c'est le marbre. Entre le rose et le noir et le rouge, c'est des différents degrés d'oxyde de fer, et ça dépend de la pureté de l'oxyde de fer dans la pierre. Ouais. Hein? Vous voulez voir le travail du maestro, monsieur Dan. Suivez le maestro. On est assuré, l'assurance de la patrie.
Allez-y là. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Regardez là. Alors, ce qui est spécial dans ce travail-là, c'est que d'abord, le mosaïste au 8e siècle a voulu avoir, si vous voulez, l'idée de trois dimensions du travail. Regardez là. Memorial of Moses. Vous avez raison là. Entre les bouteilles d'huile. Non, j'ai dit. J'ai dit, on n'aura pas besoin. Donc. Voilà, donc ça c'était la porte d'un monastère à Bobad. La porte d'un monastère, il n'y a pas tout le monde. Ah non. Il manque 4 personnes. Ouais, comme la porte du château. Et il y a une petite chambre qui est construite sur les eucalyptus. Oui. Et c'est tout ça. Ça s'appelait à l'époque byzantine les fontaines de Moïse. C'est pour ça qu'il y avait une espagnole, c'est l'héritage espagnole, 384. Elle est venue visiter la Terre Sainte et elle voulait voir la place où Moïse est mort. Donc elle est venue de Jéricho là-bas jusqu'à ici, jusqu'au village qui s'appelle Espagne maintenant. Et là, la verdure qui est au-dessus. Voilà, donc on ne voit pas l'eau. Thank you.
Vous voyez, hein. Voilà, écoutez s'il vous plaît. Vous êtes tous là? Oui. Maintenant, on va continuer, on va commencer. Et il y a des chevaux, comme j'ai dit, pour 400 mètres. Rayon de soleil là-haut, tout droit. Et on voit que la décoration, ça c'est très important. Les Nabatéens, ils ont commencé leur travail du haut vers le bas. Quand ils faisaient les tombeaux, ils commençaient du haut et ils descendaient vers le bas. Donc ça c'était comme ça les Nabatéens. Ils ne commençaient pas d'en bas vers le haut. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, ils n'ont pas besoin d'échafaudage. Regardez, ils ont toujours pied d'un côté. Et en plus, si on commençait du rocher, les burins, les marteaux, peut-être il n'y avait pas de casque spécial pour... Voilà. Maintenant... Vous tirez sur le monsieur. Prends place, prends place. Il y a un peu pour vous. Prends place, s'il vous plaît, parce que ça abîme la peau. Oh. On parle de cheval. Voyez comment c'était. Imaginez qu'il y a des gens qui jettent des cailloux seulement là-haut, beaucoup. On ne peut pas entrer. Hein. On a donc, vu ça dans les westerns. Oui. Voilà, par exemple. Les Indiens sont en haut. Ils... Par exemple, oui. C'était les Nabatéens et les Indiens. Et les Grecs, ils ne pouvaient pas entrer. Et on a dit que les Nabatéens, ils ont dit, on a de l'eau à l'intérieur, on a de quoi manger qui nous suffit pour des années. Et c'est vrai que les Nabatéens, à part les canalisations, c'est devenu après, mais à l'intérieur de Petra, toutes les montagnes, ils voyaient là où ça ruisselle quand il pleut, ils faisaient des canalisations et des citernes. Donc il y avait beaucoup de canalisations et des citernes aussi à l'intérieur de Petra. Vous avez le... Non.
chance, hein. Ah oui, pour la photo. Voilà, allez-y. Allez-y, allez-y. Ok. Voilà, il n'y a plus de soleil. Qu'est-ce que c'est que ces marques qu'il y a sur les côtés? Attendez, mais je vais le dire. Ah bon? Voilà, servi. Bien sûr, pourquoi le mieux conserver? C'est parce que le problème de Petra, c'est l'érosion éolienne et l'érosion qui vient par l'eau. Parce que quand il pleut, l'eau tombe dans les vallées et après, ça remonte dans ce rocher par capillarité. Et les façades du rocher, quand c'est mouillé, ça devient friable. Et dès qu'il y a du vent, voilà, c'est vraiment, elle s'effrite facilement. Donc, ce monument, d'abord, il était plus haut que les autres, d'un côté. Là, on est à 6 mètres de niveau réel. Et en plus, c'est encadré dans le rocher. Si vous regardez bien, il est en retrait, oui. Ils ont fait entrer le monument à l'intérieur. Donc ça a aidé quand même à conserver, à part que c'est entouré par les montagnes. Donc le vent ne souffle pas trop dessus. Par contre, le vent, quand il arrive ici, regardez la montagne, comment elle est érodée là-haut. Elle s'appelle Khazne. Ce que nous allons faire, là, c'est charmant, après la photo que vous faites. Ça va lui marquer, Frédéric. Ouais. Mais Frédéric, je ne comprends pas comment ça dessine. Pourquoi j'insiste sur Roger et Coupe. Je pense que c'est ma ville natale. Mais il le dessine avec le sable. Il a mis du noir et puis. Avec Il y en a qui sont superbes. Ça y est, vous avez chauffé les mains. Vous avez chauffé les mains. Oui, mais c'est la même chose. Je crois. On a chauffé pour le groupe. Sans les grades. Ça va passer. Les
Ah ouais, apparemment c'est du tout. T'es beau. Eh oh, c'est un poids, toi, joli, joli. On ne bouge pas. Une chamelle blanche. Il paraît que les chameaux, il y a une affinité dans les noirs. Il y a pas de chameau dans... Non, il y a une ambulance. Ouais. Donc l'eau soit à l'extérieur, il y a des soins tomando que les gens depuis longtemps, même quand il y avait les caravanes, ils montaient dans ces montagnes pour chercher le soin tomando.
à l'époque des caravanes, des Nabatéens, des Tamoudiens, comme on a dit, des Maïniens. Et il y avait plus d'eau à l'époque. Peut-être, mais, mais il y avait toujours de soins de monde d'eau et ils montaient dans la montagne pour chercher ça. Maintenant, par exemple, de ce côté-là, ils ont mis, déjà, ils ont fait des bassins pour recueillir l'eau. Ils ont mis un tuyau, vous voyez, il y a un réservoir ici, il y a un tuyau qui monte, voilà, dans cette montagne. Bien sûr, il y a deux sources. Ah, oui. Laurent, il a frappé le rocher, il a mis de l'eau coupée. Peut-être, hein. Voilà, donc, c'est la source de Laurent, qu'on appelle maintenant. Il y a de l'eau pour les Bédouins tout le temps, dans le réservoir. Vous voyez qu'il y a de l'eau. Hein? C'était les caravanes qui passaient par là. On a dit que c'est des inscriptions tamoudiennes. Tamoud, ça c'est le peuple. Les Tamoudiens, comme ils passaient souvent ici, ils connaissaient les points d'eau. Donc ils cherchaient toujours l'eau qui est dans cette montagne. Et d'après les inscriptions qui sont ici, il y a deux inscriptions. Bien sûr, comme on a dit, l'écriture, à l'origine, ça vient de Phénicien. C'est pour ça qu'on trouve le grec, ça vient de Phénicien, et cette écriture vient de Phénicien. On trouve des lettres qui ressemblent au grec. Pas tout, bien sûr, mais il y a quelques lettres qui ressemblent au grec. Donc, ça, c'est l'écriture qui est juste avant le Nabatéen. Après les Nabatéens, ils ont pris l'écriture aramienne qui était répandue partout. Voilà, il est mort avec une caravane, il était enterré là. Et l'autre, c'est une graffiti aussi, c'est-à-dire quelqu'un, il dit que je suis passé par là, quoi. Il met son nom, et le nom de son père peut-être, voilà, et il est passé par là. Donc ça, c'est l'écriture tamoudienne, avant le Nabatéen. Quand on dit les Tamoudiens, on parle de autour de 5 siècles avant Jésus-Christ. 5 siècles avant Jésus-Christ. Et... Elle a perdu. C'est Anne. De l'eau ici, les caravanes, elles cherchaient l'eau toujours. Elles venaient se reposer, elles cherchaient l'eau. Et il y a aussi, à part les caravanes, les animaux qui vivent dans ce désert, ils venaient pour chercher l'eau. Et surtout, l'ibex. L'ibex, c'est une sorte de bouquetin dans le désert, avec des cornes comme ça. Et il y a des ronds autour des cornes. Voilà, donc... Thank you.
l'arche de Noé. Allez-y, allez-y, ouais. Ah ouais, d'accord. Attends, je... Et là-bas, c'est la ville de Hélas. Et là, c'est la ville où on voit la ville d'Aqaba.
بس ترجع على طول الطبيب الثاني اوكي هلا رح اعطيكي شكل زي لو بدي انت لو رجعتي لشتاي وبدين هيدا الثاني بدي انت تفضلي برجع الى ضيوفنا الباقيين وتحيه كبيره للاخت شرجيه 64 مليون كمان يلا يا جماعه انتم ما تزقفوا ليش عم تزقفوا انتم خلي الجمهور يزقف انتم حضروا حالكم جهزوا حطوا ايديكم على الكمبيوتر لشوف بدنا نطرح سؤال سرعه جديد الحضور حضور تام السؤال هو التالي رتبوا كلمات المثل التالي صنائع ضائع سبع والبخت معكم 20 تاني 4-2-3 من فلسطين